Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode qu'on va qualifier de fatidique. Du coup, petite musique un peu particulière, etc. Pour ceux qui auraient pas reconnu, c'est Ennio Morricone, les Stasi dell'Oro, ce qui fait que je risque sûrement d'avoir des problèmes de droit, mais bon, pour le coup, on s'en branle. Parce que cet épisode, c'est vraiment un épisode charnière, c'est-à-dire que si je ne gagne pas dans ce match, je suis à l'extérieur, si je ne gagne pas, je me retrouve distancé de 7 points, jusqu'à 7 points, 6 ou 7 points. Et à partir de là, je pense que ça sera fini pour nous de la Ligue des Champions. Donc, le Sporting et le Borussia Dortmund dominent allègrement notre groupe. Hein, on peut le voir assez nettement là sur ce tableau. Le Spartak Moscou est donc légèrement décroché et nous on est bon dernier avec deux défaites en deux matchs. Autant vous dire que c'est pas franchement la fête du côté de l'équipe de Portsmouth. Dans le dernier match contre Tottenham qui était encore une purge, et oui ça commence à faire vraiment beaucoup de purges, on a fait jouer les remplaçants hein, forcément. Ça a été loin d'être beaucoup mieux sous prétexte qu'il y avait les remplaçants. Mais on se dépasse, on va motiver les joueurs hein, bien sûr, parce qu'on a plus que ça à faire. Motivation. Ouais, il y a des climats qui dégoûtent. Ça a été pas super emballant, donc là je vais essayer de mettre une équipe type. Je me demande si la présence de Kevin De Bruyne, du fait qu'il soit beaucoup plus fort que les autres, n'oublie pas l'homogénéité de l'équipe en fait. Je commence vraiment à poser des questions à tous les niveaux en fait dans le jeu. Donc je vais voir, j'ai pas encore décidé exactement de la formation que j'allais choisir. Mais toujours est-il que ce match sera l'occasion pour Charlie Austin de le mettre en pointe, de sauver sa peau. Et si jamais il n'arrive pas à marquer là, je pense que ça scellera son sort. De la belle itération S, ça scellera son sort pour la saison prochaine. Allez, sur ce, messieurs, mesdames peut-être, je pense qu'il est grand temps pour nous d'affronter notre destin. Cette fois-ci, c'est notre dernière chance. Ce sont les mots de Gary Lineker à l'approche de cette opposition au stade Luzhniki face au Spartak Moscou en Ligue des Champions. Le manager de Portsmouth qui a exprimé clairement ses inquiétudes après deux matchs très décevants face au Sporting Portugal et au Borussia Dortmund. C'est leur dernière chance, donc, selon lui, de parvenir à accrocher peut-être une des deux places qualificatives pour le 8e de finale de Ligue des Champions. Gary Lineker avait bien entendu choisi de mettre son équipe type. Julio César, très intéressant depuis quelques rencontres, était tout naturellement dans les buts. Une équipe du Spartak Moscou, 3ème avec 2 points devant donc hein, cette équipe de Portsmouth, bonne dernière avec 0 points en 2 matchs. Défaite 3-2 contre le Sporting Portugal, puis défaite 2-1 face au Borussia Dortmund, toutes deux à domicile. L'équipe de Portsmouth larguée donc, à qui il restait une petite chance de bien figurer en cas de bonne performance. Du côté du Spartak Moscou, Pesiakov dans les buts de défense, Makiev, Parera, Tassi, Kombarov. Le milieu de terrain, Riz Galov, Rafael Carioca, Romulo et Makgidiwaris Ananidze, le géorgien, en pointe. Du côté de Portsmouth, Julio César dans les buts, une défense assez classique, Dilo, Makler, Rose, Kolodziejczak, Nampalis Mendy reconduit à la récupération, Ramirez à droite, Kevin De Bruyne à gauche, en meneur de jeu, Aris Vuskic et Alexandre Lacazette et Charlie Austin reconduit en attaque, les deux attaquants qui souffrent depuis quelque temps de n'être guère prolifiques. Et c'est parti ici à Moscou. Avec Ananidze sur le côté droit qui joue avec Kombarov, Kombarov avec Brice Galov qui remet derrière sur Kombarov. Brice Galov sur le côté gauche qui est opposé à Adrien Dilo. Et première intervention efficace d'Adrien Dilo. Le ballon qui revient sur Kombarov, Ramirez qui met la pression, mais Kombarov qui finalement s'en sort. Kombarov toujours face à Ramirez qui décide de remettre sur Romulo. Romulo qui remet à nouveau sur Kombarov, sur la frappe de Kombarov et la parade déjà une parade décisive de Julio César sur cette frappe du gauche de Kombarov. Julio César absolument indispensable
cette saison depuis quelques matchs. Et Ananidze qui va tirer ce corner. C'est pour la tête de Romulo. Et la belle parade une nouvelle fois de Julio César qui se saisit du ballon. Et relance loin devant. Ouh, la mauvaise relance. Oh, la mauvaise relance directement en touche au milieu du terrain de Julio César. On ne peut pas dire que les joueurs de Portsmouth commencent ce match sous les meilleurs auspices. Gombarov qui joue avec Romulo. Romulo, attention, la belle intervention là de Ramirez. Ramirez qui n'a pas eu le temps de rattraper le ballon. Et le ballon qui revient dans le pied de Romulo avec Gombarov qui ne parvient pas à sauver la touche. C'est Adrien Dilo qui va pouvoir jouer avec Ramirez. Ramirez dans la profondeur pour la Lacazette. Il a vu le départ de l'ancien Lyonnais. La Lacazette qui repique au centre. Il tente de remettre sur Ramirez. C'est pas mal joué. La frappe à venir de Ramirez. Le beau tacle défensif. Et Gombarov qui va une nouvelle fois pouvoir dégager son point. Il rejoue sur Pesiakov avec Waris loin devant. La tête de Linceros qui remet sur Nampalismendi. Nampalismendi face à Brizgalov. Nampalismendi qui tente de remettre sur Charlie Austin. Charlie Austin le centre à venir. C'est pour la tête de la Lacazette. Et le but. L'ouverture du score. L'ouverture du score d'Alexandre Lacazette pour l'équipe de Portsmouth sur leur première véritable action chaude. Un tir cadré, un but pour les joueurs de Gary Lineker sur ce centre de Charlie Austin. La doublette Charlie Austin-Alexandre Lacazette qui retrouve le chemin défilé. Ça faisait longtemps que ça leur était pas arrivé. Passe décisive pour Charlie Austin et le but d'Alexandre Lacazette. Ça fait 1-0 ici au stade Lujniki pour les Anglais face aux Russes. Allez, attention, Ananidze là qui relance avec Romulo, le 1-2. Le ballon qui revient sur Ananidze à nouveau sur Romulo. L'interception de Linceros. Linceros qui relance sur Arizouskic. Arizouskic qui a tenté d'alerter Ramirez, mais c'est Brizgalov qui a récupéré le ballon. Brizgalov qui relance sur Waris. Waris, la frappe de loin de Waris qui n'inquiète pas véritablement Julio César qui relance tranquillement sur Adrien Dilo avec, Juan Ramirez. Juan Pablo Ramirez qui voit le ballon repoussé en touche par Romulo. Juan Pablo Ramirez. Attends, il remet sur la Lacazette. La Lacazette qui tente de remettre derrière avec Mendy, mais c'est Romulo en deux temps qui récupère le ballon. Rafael Carioca avec McGuidi. McGuidi derrière avec Tachi. Tachi avec Waris. Ça, le ballon qui revient sur Ananidze. Pour l'instant, le rythme est assez lent du côté du Spartak Moscou. Et ça semble convenir aux joueurs de Portsmouth. Récupération de Lacazette qui rejoue avec Mendy. Il a tenté d'alerter Kevin Le Bruyne dans la profondeur, mais c'est récupéré par Rafael Carioca. Rafael Carioca face à Mendy une fois, deux fois. Rafael Carioca qui parvient à passer à Brizgalov. Brizgalov qui remet sur Gombarov sur le côté gauche. Gombarov à nouveau sur Romulo. Les joueurs de Portsmouth qui pour l'instant ne sont pas dépassés par les attaques russes. Romulo qui rate complètement son centre et la récupération de Julio César qui relance à la main vers Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne qui se retourne et qui remet sur Kolodziejczyk. Kolodziejczyk qu'on n'a pas encore vu dans ce match. Oh, Kolodziejczyk, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenté le crochet mais il a simplement sorti le ballon. La récupération par Makiev pour Tachi. Tachi pour Parera. Parera pour Brizgalov. Le pressing des joueurs de Portsmouth. Récupération de Romulo qui se retourne. Romulo face à Puskic. Romulo qui préfère rejouer avec Gombarov pour analyser qu'on a beaucoup vu les deux sur le côté gauche face, la passe pour Romulo face à Adrien Dilo. Adrien Dilo très efficace défensivement pour l'instant. Attention avec le long centre mais Julio César qui se saisit sans problème du ballon. Long dégagement sur la tête de Lacazette. Ramirez qui parvient à récupérer le ballon qui lance loin devant sur Lacazette. La balle qui va sans doute sortir avant que Lacazette la sauve. Non, le ballon qui va sortir en touche. Allez, la touche jouée par Gombarov. Gombarov pour Ananidze. Ananidze qui ne parvient pas à récupérer le ballon. Récupération de Nampalismendi qui réussit pas sa passe. Récupération de Brizgalov. Brizgalov avec Romulo. Romulo qui lance le contre pour le Spartak Moscou avec Waris. Waris pour Rafael Carioca dans la profondeur pour McGuidi. Attention avec McGuidi. La belle sortie. Attention, la sortie superbe dans les pieds de Julio César. McGuidi avait tenté la passe, mais Julio César ne s'en est pas laissé compter. Récupération de Kevin De Bruyne pour Lacazette dans la profondeur. Lacazette qui a été retenu par le maillot d'arbitre qui ne siffle pas. Et le contre amorcé par Brizgalov. Brizgalov pour Ananidze. Ananidze face à Dilo parvient à passer la petite faute d'Adrien Dilo. La passe vers l'arrière et la touche pour les joueurs de Portsmouth. Ramirez qui va remettre tranquillement derrière sur Adrien Dilo. Ils ont l'air de mieux en mieux s'entendre, les deux joueurs côté droit. Changement de côté avec Coco Legizia qui rate une nouvelle fois sa passe. Attention, c'est intercepté par McGuidi. McGuidi avec Waris. Waris pour Romulo. L'intervention de Coco Legizia qui permet à Adrien Dilo de récupérer le ballon. Coco Legizia qui tend dans la profondeur pour Alexandre Lacazette. Là, c'est pas mal joué une nouvelle fois. Alexandre Lacazette sur le coup de droit. 35ème minute de jeu. Le centre à venir d'Alexandre Lacazette. Centre d'Alexandre Lacazette. Non, c'était pas très bien joué. C'était pour Charlie Austin. Mais Pesiakov a été plus prompt à se saisir du ballon. Long dégagement sur la tête de Waris. C'est Linceros qui récupère le ballon.
mais la tête de Nicé Rose qui va directement dans les pieds de Raphaël Carioca avec Ananiz. Ananiz pour Romulo. Romulo qui se retourne tranquillement avec Raphaël Carioca. Makef sous pressing de Kolo Jeziak. La récupération de Charlie Austin, c'est pas mal joué de la part de Charlie Austin. Charlie Austin qui va être en position de centre, il a un petit peu d'avance sur Parera. Le centre à venir de Charlie Austin, c'est pour la casette. La reprise de la casette, c'est repoussé par Parera. C'est repoussé par Pesiakov, pardon. Et Kombarov qui peut lancer le contre. C'est intéressant ce qu'il nous montre aujourd'hui. Les joueurs de Portsmouth, même s'ils procèdent par contre, ils semblent être plus en mesure d'embêter cette équipe russe que les équipes allemandes et portugaises qu'ils ont rentrées jusque là. Attention avec Romulo toutefois. Romulo qui tente de remettre sur Ananizé et Adrien Dino qui met le pressing. Ananizé, long centre, ça revient sur McGuidi. Et le César qui profite du mauvais contrôle de l'attaquant irlandais. Longue passe pour Charlie Austin. Le contrôle de Charlie Austin qui parvient à sauver le ballon, mais c'est Brice Galloff qui parvient à récupérer. Raphaël Carioca sur le côté droit. Raphaël Carioca, ça revient sur Brice Galloff. La passe, attention, bien la récupération de Kolo Jeziak. Kolo Jeziak qui parvient à remettre à Aris Buskic. Aris Buskic qui contrôle une fois, deux fois, il remet sur Charlie Austin. Charlie Austin qui tente dans la profondeur pour Ramirez, c'est un petit peu long. Et la défense russe qui parvient à récupérer le ballon. Tachi, attention à la récupération de la casette, là c'est pas mal joué. La récupération de la casette, elle a été contrée et ça va donner un corner pour Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, long corner, c'est pour la tête d'Austin, c'est repoussé sur Ramirez. Ramirez qui tente la reprise de volée, c'était pas mal joué du gauche. Mais Juan Pablo Ramirez qui voit le ballon passer au-dessus. Ce sont bel et bien les Anglais qui dominent jusqu'ici dans ce match après un début de match en faveur des Russes. Attention, la récupération de Nampalis Mendy, il n'est pas grand pourtant, mais il va bien récupérer le ballon de la tête. Juan Pablo Ramirez, Juan Pablo Ramirez qui résiste au retour d'Ananizé. Juan Pablo Ramirez qui déborde le côté gauche pour la tête de Charlie Austin. Le but, oh le but, le but de Charlie Austin. Ça faisait presque deux mois que ça n'était pas arrivé. Le but de Charlie Austin, la tête croisée qui prend Pesiakov complètement à contre-pied sur ce bon centre de Ramirez. Enfin un bon centre de Ramirez, le défenseur qui est pris par son élan et Charlie Austin qui parvient à propulser le ballon dans le petit filet opposé. Ça fait 2-0 pour les joueurs de Portsmouth face au Spartak Moscou, et l'arbitre qui siffle la mi-temps face à un stade Loujniki pour le moins silencieux, pour ne pas dire de glace, puisque ce sont bel et bien les visiteurs qui mènent 2-0 face au Spartak Moscou. Un stade Loujniki qui avait vu ses protégés faire match nul 1-0 contre le Borussia Dortmund, et là cette fois-ci ce sont les joueurs qui se sont inclinés à domicile face au Borussia Dortmund en étant clairement dominés, qui parviennent à rejoindre les vestiaires avec un avantage de 2-2 grâce à des buts de Lacazette sur une passe d'Austin et d'Austin sur une passe de Ramirez. 2-2 de la tête, mais 2-2 tout de même. Dans les autres matchs, l'Ajax mène, l'Ajax et le FC Bruges font match nul 1-1. L'Atlético mène 1-0 face à la Fiorentina. Le Borussia Dortmund et le Sporting font match nul 0-0. Barcelone mène face au Schalke Nulfir 1-0. Le Bayern mène 2-0 face au PSV. Bâle mène 2-1 face au Celtic et le Galatasaray concède le match nul à domicile face au Zénith Saint-Pétersbourg. On va attaquer tout de suite la deuxième mi-temps dans ce match qui, en fin de compte, est plutôt équilibré en termes d'occasion et même dominé en termes de possession par les Russes. Charlie Austin qui donne le coup d'envoi de cette seconde période avec Nampalis Mendy. Nampalis Mendy qui joue avec Ramirez. Ramirez pour la casette qui se retourne, qui rejoue sur Buskic. Il a vu le départ. Oh, elle est mal jouée cette passe de Buskic. Il récupère tout de même le ballon. La passe en profondeur pour la casette. Attention, peut-être le centre c'est pour la tête d'Austin. Oh, le poteau, la reprise de la casette. Et au-dessus, la reprise de la casette au-dessus. Il a tenté une petite balle en cloche, on ne sait pas trop pourquoi. La casette alors qu'il aurait pu tenter la tête. Mais non, balle en cloche. Petit raté hein, de la part de la casette, tandis que Charlie Austin n'est pas passé loin du doublé. Et sa tête aurait clairement mérité un meilleur sort. Allez, Pesiakov qui va pouvoir dégager son camp. Le dégagement à venir du gardien russe. Long dégagement, c'est pour la tête de Waris. Mais c'est Nampalis Mendy qui prend le meilleur. La passe pour Ramirez, ça revient dans le pied de Buskic. Mais Buskic qui perd le ballon, récupération de Tachi. Tachi pour Romulo. Romulo pour Waris. Waris pour McGuidi avec Makef. Makef qui remet sur Brice Galloff. Brice Galloff qui projette la passe sur le côté droit pour McGuidi. McGuidi qui va pouvoir centrer le long centre de McGuidi. C'est pour la tête analysée. La belle parade de Julio César qui ne s'en est pas laissé compter. Long dégagement, c'est pour la casette qui décale, qui remet sur Adrien Didot qui a vu le départ de Ramirez. Il tente la passe pour Ramirez mais c'est intercepté par l'arrière-garde de Moscovite.
Tachi qui récupère le ballon. Et Lacazette, nouvelle interception. Attention, peut-être la passe en profondeur. Non, il va être trop court. Charlie Austin s'est récupéré par la défense. Moscovici une nouvelle fois. Romulo qui lance le contre. Romulo sur le côté gauche pour analyser face à Adrien Dillot. Le beau retour d'Adrien Dillot. Il fait un très bon. L'arbitre qui siffle une faute. C'est un petit peu cruel parce que Adrien Dillot fait vraiment un bon match et son interception me semblait tout à fait correcte. Attention pour la tête de Tassi. Ouh, le poteau qui sauve les joueurs de Portsmouth et le ballon qui revient sur Ramirez. Ramirez avec Vuskic qui passe dans le creux pour Charlie Austin qui tente de remettre pour Alexandre Lacazette à la vitesse. Peut-être le bon retour des Moscovites qui semble se réveiller en cette seconde période. McGiddy qui récupère le ballon, il remet derrière sur Makeyev. Makeyev qui se retourne lentement, qui remet sur Raphaël Carioca avec McGiddy une nouvelle fois. McGiddy derrière sur Makeyev. Makeyev qui repique au centre. La passe pour Chris Galoff. Le retour de la défense de Portsmouth. Mais c'est Romulo qui récupère le ballon avec Kombarov. Kombarov qui remet sur Chris Galoff. Récupération d'Adrien Dillot qui dégage loin devant sur Charlie Austin avec Ramirez. Ramirez pour Kolodziejczak qui lance le contre côté gauche. La perte de ballon de Kolodziejczak, ça devrait donner une touche en faveur des joueurs de Pompeii. Allez, Lucas Barrios qui rentre en lieu et place de Waris côté Moscovite. On ne s'affaiblit pas hein, du côté du Spartak Moscou. Et Vuskic qui lance Ramirez dans la profondeur. Le bon contrôle de Ramirez. C'est intéressant ce qu'il fait dans ce match Ramirez. Ramirez qui se retourne. Ah, il a tenté la passe, mais c'est raté cette fois-ci. Et McGiddy qui peut lancer le contre en faveur des Moscovites. Romulo dans la profondeur pour analyser. Il a un petit peu de champ, mais le bon retour de Luc McClure. C'est très bien ce qu'il fait Luc McClure. Attention, sauf cette passe, elle n'était pas très bien. Romulo qui récupère avec Barrios. Barrios pour McGiddy. McGiddy qui tricote un petit peu. Remet sur Barrios. La frappe de Barrios qui a été contrée. Elle a été contrée, je crois que c'est par Lindsay Rose. Analysé pour le corner. C'est pour la tête de Romulo. C'est repoussé par Kevin De Bruyne. Ça revient sur Raphaël Carioca. Raphaël Carioca avec Kombarov. Kombarov à nouveau pour Raphaël Carioca avec Analysé. Analysé qui se retourne, qui remet sur McGiddy. On prend son temps du côté du Spartak Moscou. Analysé en position de frappe. La belle frappe d'Analysé repoussée par Julio César. Et les Russes qui sont revenus avec des velléités beaucoup plus offensives après une première mi-temps plutôt ratée. Et Analysé qui va pouvoir tirer ce corner. Le corner tiré par Analysé. C'est pour la tête de Tachi. Repoussé du point par Julio César. Loin devant De Bruyne qui va être un petit peu court pour récupérer le ballon. Non, peut-être pas. De Bruyne qui parvient à sauver le ballon. Il relance sur Charlie Austin. Charlie Austin face à Makeyev. Austin qui conserve le ballon. Le centre qui est raté. Récupération de Makeyev. Et le dégagement en touche de la défense Moscovite, alors qu'on va procéder à quelques changements du côté de Portsmouth, avec notamment la sortie de Haris Vuskic qui n'a jamais vraiment semblé dans le bon tempo au cours de ce match. L'international slovène qui va céder sa place à Liam Fleming, tandis que Lacazette laisse sa place à Bartzel. Liam Fleming qui passe côté gauche et Kevin De Bruyne qui passe au centre. Bartzel qui récupère son premier ballon, qui remet derrière sur Adrien Dillot. Adrien Dillot qui va centrer. Oui, bien joué de la part d'Adrien Dillot. Le centre d'Adrien Dillot. C'est pour la tête de Fleming. Ça va être repoussé par Makeyev. Attention, ça revient sur Kolodziejczak qui tente la frappe. La frappe de Kolodziejczak. Oh, le but. Oh, le but de Timothée Kolodziejczak à la 73ème. Mais quel but incroyable. Quelle frappe superbe de Kolodziejczak. Elle n'était pas si puissante que ça. Mais elle est vraiment placée à la perfection pour tromper Pesiakov. On va revoir ça. Une frappe de pas loin de 35 mètres. Qui s'achève dans le petit filet opposé. Reprise de volée du gauche parfaite hein, de Timothée Kolodziejczak. Et Pesiakov qui s'incline pour la troisième fois dans ce match. 3-0. C'est la grosse cote hein, clairement. Dans ce match et dans cette seconde mi-temps, plutôt à l'avantage des Moscovites. Il reste un quart d'heure à jouer. Ce sont les Anglais qui mènent sur le score de 3-0 face aux Moscovites. Liam Fleming qui récupère le ballon. Attention, il est rattrapé par McAfee. Il parvient à remettre sur Charlie Austin. Charlie Austin qui perd le ballon, récupération de Parera, il a récupéré le ballon. Charlie Austin a tenté une frappe, mais sans grand intérêt. Et Nampalis Mendy qui va à son tour laisser sa place, histoire de se reposer un peu avant le match contre Manchester United en championnat en fin de semaine. La rentrée de Neil Ruff, défenseur, qui va jouer en milieu défensif. Neil Ruff qui fait 1m95, important pour récupérer les ballons de la tête. Neil Ruff d'ailleurs, que l'on retrouve la tête de Neil Ruff, mais c'est récupéré par Raphaël Carioca pour Makeyev. Makeyev qui rejoue avec Tachi. Tachi avec Romulo. Romulo pour Raphaël Carioca une nouvelle fois. Raphaël Carioca avec Lucas Barrios. Lucas Barrios avec McGiddy. McGiddy qui n'a pas le temps de se retourner. Récupération de Kolodziejczak. Kolodziejczak pour Charlie Austin qui a tenté de remettre sur Kevin De Bruyne. Ouh, la faute de Kevin De Bruyne. L'arbitre qui ne siffle pas. Ruff qui rate le ballon. Attention.
à pas pêcher par excès d'orgueil de la part des joueurs de Portsmouth. Adrien Dillo. Adrien Dillo qui tente dans la profondeur pour Ramirez. Ramirez qui est trouvé par Adrien Dillo. Il se trouve bien les deux joueurs. Attention, la passe de Ramirez était ratée. Par contre, la récupération d'Alanis est analysée pour Lucas Barrios. Lucas Barrios qui joue avec Romulo. Romulo qui a une occasion dans la profondeur pour McGuidi. Le retour de McClure qui parvient à dégager, mais c'est récupéré une nouvelle fois par Romulo. Et Lindsay Rose qui semble en mesure de dégager. Ça revient sur Kolodziejczak. Kolodziejczak qui prolonge le ballon pour Charlie Austin. Charlie Austin pour Liam Fleming. Attention, Liam Fleming, il y a peut-être quelque chose à faire. Il va être opposé à Parera. Il repique au centre Liam Fleming, mais il perd le ballon malheureusement. Récupération de Raphaël Carioca qui rejoue sur Kombarov. Kombarov avec Tachi pour Raphaël Carioca avec Romulo. Romulo pour Parera. Parera avec Tachi pour Kombarov. Interception de Murray Bartsley. Le centre de Murray Bartsley. Non, c'est raté là par contre. C'est raté, une petite faute de Ramirez qui va permettre aux Moscovites de se dégager. On va revoir ça au ralenti. Ouais, petite obstruction. Allez, la rentrée de Lousakov à la place de Brice Galov qui aura fait un bon match hein, malgré le score. Allez, Lucas Barrios qui récupère le ballon. Lucas Barrios pour analyser. Attention, analyser dans la profondeur. C'était pour Romulo. Non, il a tenté une frappe dans un angle complètement fermé, ça servait strictement à rien là ce qu'il a fait Romulo. Kombarov qui laisse à son tour sa place à Osbiliz. Julio César tranquillement qui dégage. On est à la 87ème minute sur Luck McClure. Luck McClure avec Adrien Dillo. Adrien Dillo pour Ramirez. Ramirez qui parvient à remettre sur Murray Bartsley. Murray Bartsley qui tente la passe pour De Bruyne. C'était un petit peu compliqué là. Il a été un peu envoyé à la mort l'international belge. Il a perdu le ballon. Attention avec Lucas Barrios. Lucas Barrios face à Luck McClure. Il prend le meilleur. Lucas Barrios. Le beau retour défensif. La nouvelle passe sur Lucas Barrios qui se retourne. Ouh la frappe. Oh le but, la réduction du score dans les arrêts de jeu. Et Lucas Barrios qui parvient à inscrire un but tout au talent hein, après un contrôle absolument magnifique. Il a pivoté sur lui-même en l'air et est parvenu à placer une frappe du gauche. Murray Bartsley, l'engagement avec Charlie Austin. Murray Bartsley qui temporise, pas de raison de s'affoler. On rejoue sur Ruff. Ruff avec dans la profondeur. Pour Fleming, c'est pas mal joué. Ah, petit hors-jeu. Petit hors-jeu apparemment, c'est dommage, la balle semblait bien jouée pourtant. Ouais, il n'y a pas grand-chose, il n'y a vraiment pas grand-chose sur cette passe en profondeur de Ruff. Mais l'arbitre a sifflé un hors-jeu. Lousakov qui va donc pouvoir dégager son camp, on est dans les arrêts de jeu. Lousakov loin devant, c'est pour analyser la tête d'Adrien Dillo qui repousse le ballon en touche. Allez, la touche qui va être rapidement jouée probablement par les Moscovites. Pas si rapidement que ça, les joueurs du Spartak. Makeyev qui remet sur analyser le centre d'analyser. Attention avec McGuidi, peut-être non. Récupération, la tête de Fleming à suivre. C'est Raphaël Carioca qui a pris le meilleur de la tête. Le ballon qui revient sur Milroff. Milroff qui va pouvoir tranquillement dégager son camp. Oh, attention, pas perdre le ballon là, Milroff. Et c'est terminé ici au stade Loujniki. Victoire surprenante, victoire de Portsmouth sur le score de 3 buts à 1. Portsmouth qui a mené 3 buts à 0, but de la casette à la 11ème sur un centre de Chalessine. Puis le but de Charles sur un centre de Ramirez, tout deux de la tête. La frappe de nulle de Timothée Kolodziejczak qui a mystifié Pesiakov. Et enfin, la réduction du score dans les arrêts de jeu de Lucas Barrios. Mais vraiment, quel but hein, de Timothée Kolodziejczak et quelle performance collective des joueurs de Portsmouth qui repartent donc de Russie avec les 3 points. Portsmouth n'est peut-être pas encore mort dans cette Ligue des Champions. On va revoir, hein, bien entendu. Les buts avec tout d'abord l'ouverture du score sur le centre de Charlie Austin, d'Alexandre Lacazette qui prend Pesiakov à contre-pied. Le second but de Charlie Austin, là aussi la tête de Charlie Austin sur le centre de Ramirez qui prend Pesiakov à contre-pied. Un bel arrêt de Julio César qui aura réalisé une nouvelle fois une très très bonne performance. La frappe de Mule magnifique à 35 mètres du gauche de Timothée Kolodziejczak qui finit dans le petit filet opposé. Et enfin la réduction du score de Lucas Barrios, contrôle orienté de la poitrine. Il se retourne et la frappe du droit. Bon, enfin un match qui ressemblait un petit peu à du football. Bon, on s'est fait dominer, hein. On a été dominé. On a, j'irai pas jusqu'à dire qu'on a eu de la chance, parce que les deux premiers buts qu'on met, on mérite clairement de les mettre. Je suis très content du résultat. Par contre, clairement, De Bruyne n'a pas été phénoménal dans ce match. Par contre, Charlie Austin et Alexandre Lacazette sont arrivés à remarquer, ce qui est déjà presque un exploit en soi. Et en plus, Charlie Austin s'offre une petite passe décisive en plus. Donc, Charlie a l'air d'être de retour aux affaires.
Maintenant, le match a pas été maîtrisé du tout. Ils étaient moins forts que ce que je craignais. Enfin, en tout cas, sur ce match-là, ils étaient moins forts que ce que je craignais. Par contre, Julio César me sort encore un méchant match. Ça fait quelques matchs qui cartonnent bien, Julio. Et puis je marque surtout un but de l'espace. Les deux premiers, bon, c'est des buts de la tête qui sont qui sont organisés et tout. Déjà, j'arrive à construire des buts. C'est presque, j'ai failli avoir la larme à l'œil quand j'ai vu ça. Donc il y a plus ou moins rien à dire sur les deux premiers buts. Même si au retour des vestiaires avec la casette, je manque encore un truc absolument énorme. Mais alors ce but de Kolo Jeziak, excusez-moi les enfants, mais quand même, on va se le refaire. Hein, et au ralenti. Boum. Allez, merci, bonsoir. Reprise du gauche sans contrôle, j'en ai rien à foutre. Yeah. Boum. Bon, il la laisse rebondir quand même au sol, hein. Mais c'est un monstre ce but. C'est un monstre. Très sincèrement, je pense que ça va être difficile de trouver mieux pour le but de l'année. Allez, on se le refait une petite dernière fois. Et voilà, merci, bonsoir. Allez, et histoire de faire mon marronneur, parce que quand même, si je marronne pas, ça sera dommage, j'aimerais qu'on reparle. Bon, alors, sur cette action, déjà, je reprends trois fois le ballon, et trois fois, ça revient sur un de leurs joueurs, mes joueurs ne suivent pas. Là, je reprends encore le ballon, ça revient sur un de leurs joueurs, qui passe la balle direct, sans y réfléchir, et là, on va zoomer un petit peu, sur le contrôle de Lucas Barrios. Hop! Je tourne autour du ballon, mon épaule ne le touche pas, et derrière je frappe. Je veux bien que Lucas Barrios soit très très fort, mais là quand même je trouve que c'est un petit peu guinguette. Enfin bref. Donc on va dire qu'ils nous ont mis un but d'exception, on leur a mis un but d'exception. On est quitte. Les affaires ne sont peut-être pas complètement finies en Ligue des Champions. On va jeter un petit coup d'œil rapide. Sur l'évolution des résultats. Alors, joueur repéré attiré dans d'autres clubs de France. Oui, bon, c'est pas très grave. Un mec qui part à Clermont-Ferrand, a priori, on n'en aurait pas fait grand-chose. Ok, alors, Ligue des Champions. Tac. Alors, non, c'est pas le championnat. Championnat, on est revenu à un point de Chelsea, hein, qui a fait deux matchs nuls d'affilée, l'air de rien, avec notre match dégueulasse contre Tottenham. Donc je marronne, mais on est quand même deuxième à un point du leader. Bon, avec une défense de merde certes, mais tout de même. Donc Euroleague, c'est toujours pas nous. Allez. Alors d'abord juste Non, attendez, j'ai fait les choses à l'envers en fait. Voilà. Non, putain. Ah oui, non, si c'est ça. Amical International, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout, voilà. Donc, hier soir, l'Ajax a battu le FC Bruges 3-1, l'Atlético Madrid a gagné 1-0 face à la Fiorentina, le Borussia Dortmund s'est incliné face au Sporting Portugal à domicile. Ce qui est potentiellement une bonne chose pour nous dans l'optique de la seconde place, vu qu'on revient à un point du Borussia Dortmund. Un match nul nous aurait arrangé pour la première place, mais il aurait peut-être compliqué les choses pour la seconde, donc là, on peut espérer finir en deuxième encore. Barcelone a battu 2-0 Schalke 04. Le Bayern a triomphé du PSV Eindhoven 3-1. Le FC Bâle a battu le Celtic 3-1. Galatasaray s'est incliné à domicile face au Zénith Saint-Pétersbourg sur le score de 2-1. Et le Spartak Moscou s'est donc incliné face à Portsmouth à domicile sur le score de 3-1. Ce qui nous donne donc au classement des 4 premiers groupes de Ligue des Champions puisque les matchs des 4 autres groupes n'ont pas été encore joués. Le Sporting premier avec 7 points, donc le Sporting a pris large clairement. 2 victoires et un match nul. Borussia Dortmund 4 points avec un match nul, une victoire et une défaite. Portsmouth 3ème, donc on est potentiellement reversé en Ligue Europa à la mi-temps, avec une victoire pour 2 défaites. On a également rattrapé notre goal average, on a un goal average à 0 désormais, et le Spartak Moscou est dernier avec un goal average de moins 2 et seulement 2 points, mais tout est encore possible dans ce groupe largement. Dans le groupe, merde, je me suis gouré de touche.
Non, c'est pas un nom de groupe. Dans le groupe B, l'Atlético Madrid, la Fiorentina et le Zenit sont à 6 points, 2 victoires et une défaite chacun. Le Galatasaray est quasiment déjà éliminé avec 0 points. Donc à 6 points de la 3ème place, ça va être très compliqué de faire quoi que ce soit pour le Galatasaray. Le groupe C, le Bayern est à 9 points, le PSV à 4, Bâle à 3 et le Celtic est distancé. Bayern qui marche tranquillement sur le groupe. Dans le groupe D, Barcelone est à 6 points, de même que l'Ajax, et Schalke 04 et Bruges sont à 3 points, donc là c'est encore assez serré. Barcelone n'a pas tant fait le truc que ce que je pensais. Et dans le groupe E, on en est qu'à 2 matchs, donc on verra la suite ultérieurement. Allez, on va en rester là de ce 106e ou 107e épisode. Je perds le compte à force en fait. De ce 107e épisode. Prochain épisode, match de championnat contre Manchester United. On va beaucoup faire tourner puisque derrière on a un match de coupe contre Manchester City. Oui, j'ai beaucoup de chance au tirage. Même si au tour précédent j'étais contre une 3ème division, donc je peux pas trop marronner non plus. Donc on en reste là pour ce 107e épisode. Ça fait du bien de renouer un peu avec la victoire, même si j'avais déjà gagné le dernier match, et surtout d'arriver à marquer des buts autrement que sur des pénaltys ou sur des actions dégueulasses. Bien, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Prochain épisode, Manchester United, si vous voulez vous abonner, si vous voulez liker, si vous voulez commenter, ne vous gênez pas. Merci beaucoup d'avoir suivi donc cet épisode, et à la prochaine fois pour le match contre Manchester United. Ciao tout le monde.